suis enfin dessinée. J'ai imprimé le fascicule dont je t'ai parlé. Génial. Oh, mais c'est que je veux faire ça bien. Je vais t'aider. Écoute, on peut faire une analyse d'action ponctuelle et délimitée, ou alors une analyse globale. Je crois qu'il vaut mieux commencer modestement. Tu as raison. Alors, chapitre A, exemple concret. Déterminer l'empreinte carbone d'un déplacement habituel. Par exemple, aller faire ses courses. Ça s'intitule « Comment lutter scientifiquement contre les pièges de la consommation qui nous oblige à maintenir une empreinte carbone qui pourrait pourtant être diminuée ?» C'est long comme titre. Ah, je te l'accorde, mais au moins on sait où on va. Comme tu le vois, les chiffres sont numérotés de 1 à 10. Chacun d'entre eux se voit attribuer un coefficient en fonction de plusieurs facteurs. La somme finale nous donne la valeur exacte de l'empreinte carbone pour le déplacement envisagé. La valeur 0 étant la valeur parfaite, malheureusement impossible à obtenir. Et la valeur 10, bien évidemment la pire. Ligne O, nature du déplacement. Obligatoire, nécessaire ou superflu. Dans le cas des courses, c'est forcément obligatoire. Nous obtenons la valeur 3. C'est bon ça. Longueur du déplacement, 6 km. Valeur 7. Oh, c'est nettement moins bon. Ah, c'est 6 km si nous prenons, quand nous prenons la route des Tisserands, mais nous nous empruntons parfois la nationale, certes un peu plus long, mais qui nous fait gagner un quart d'heure de bouchon en fin d'après-midi. Je m'attendais à ta remarque. Et figure-toi que le fascicule l'a prévu. Il nous demande de télécharger l'appli Mappy Carbone, qui nous permet de déterminer n'importe quel trajet à des horaires déterminés. Je l'ai fait. L'appli me dit que le meilleur trajet carbone pour aller faire ses courses, c'est le jeudi à 15h sur la nationale. Génial. Oui, ah, la ligne C, c'est un peu plus compliqué. Mode de déplacement. Pédestre, valeur 2. Je crois plus moins, mais il faut sûrement prendre en compte le latex indonésien des semelles. C'est ma foi, vrai. Vélo, 3. Vélo électrique, 3,8. Voiture de 5 à 8 selon le modèle. J'ai calculé avec l'appli Autoblus Carbon Free une Clio comme la nôtre essence de 2010 à une valeur de 7,2. J'avoue que je suis un peu déçue. Le modèle le plus vertueux étant une marque chinoise électrique. Étrange, ils ont pris en compte le transport de la voiture, le canal de Suez et tout ça. L'appli Autoblus Carbon Free est réactualisée tous les 3 mois. Il paraît que c'est un truc de ouf. J'imagine. Il y a une annexe qui peut nous aider. Avec un contrôle technique de moins de 6 mois, de 7,2, on passe à 6,9. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais nous sommes dans le multifactoriel. Toute incidence positive est bonne à prendre. C'est un calcul, c'est un principe de base quand on calcule une empreinte carbone. Je ne peux le nier. Il y a encore beaucoup de cases à remplir. Oui, bah quelques-unes. Ça te dérange si je me prends un petit bonbon? Non, vas-y. Tu m'en sers un aussi? Il vient de Caroline du Nord. Ah non! L'Atlantique a traversé, mais t'es malade ou quoi? Dans ce cas, un genièvre de l'os? C'est mieux. Et que nous réserve la ligne D? Liste des denrées achetées. Non, pas ça. Ah, vous êtes obligé. Et tu l'as fait? Oui, j'ai tout téléchargé dans l'appli Animeco. Ça m'a pris une heure, mais je n'ai pas du temps perdu. Il faut absolument que nous diminuions notre consommation d'asperges en provenance du Chili et que nous réduisons aussi nos besoins en sucre de canne. L'emballage des biscuits aux figues n'est pas top non plus. Et je ne te parle pas de celui des mini-portions de croustilles tomates curry, pourtant pratique quand on fait un pique-nique. Rien qu'en agissant sur ces produits, on peut gagner 0,8 en D5. T'imagines? Et si nous réduisons notre consommation de fraises en janvier, eh bien là nous gagnons 1,2 points. Qui l'a cru? Tu n'as pas l'air convaincu. Je fatigue un peu. Oh mais enfin tiens bon, hein. N'oublie pas que nous faisons cet effort pour la planète. Je doute que nous sauverons le moindre ours polaire. Défaitiste, une équipe de 15 chercheurs a planché pendant 3 mois sur cet outil, dont le célèbre professeur Faber, qui a reçu le prix Greta de l'innovation pour l'innovation la plus innovante en matière de décarbonation durable. Or, ça fait pas. Je veux. Il y a une ligne E? Bah oui, pourquoi? Je disais ça comme ça, vas-y. Là, c'est encore plus compliqué.
Il s'agit d'un quotient. Dis-moi tout. Si nous nous engageons à suivre ce protocole chaque fois que nous allons faire nos courses, eh bien on peut gagner un point. Génial, non? Tu manques le mot de la bouche. Il suffit de s'inscrire sur le site La planète ne sera pas sauvée sans toi.com. Oh, je m'en occupe un peu plus tard. J'espère qu'il y a une ligne F. Oui, et c'est la dernière. Quel dommage. Elle consiste simplement à répondre à 40 questions sur notre rythme de vie, Ah mais c'est en annexe, je l'ai même pas appris. 40 questions? Enfin, c'est normal. Tu comprends que si une personne s'engage à suivre ce protocole chaque fois qu'elle va faire ses courses et que par ailleurs, elle part en week-end à Miami, eh bien la validité de sa démarche tombe complètement à l'eau. Cela va de soi. Tout a été prévu. On a enfin un outil fiable et précis pour réduire sensiblement notre empreinte carbone. Alors, on y va? Vas-y seul, je te fais confiance. Oh, tu n'y mets vraiment pas du cas. Je te propose quelque chose et tu refuses de t'appliquer. Tu exagères. Je ne crois pas. Moi, tu es un attentiste, moi j'agis. J'agis en remplissant une grille établie par une bande de scientifiques en mal de reconnaissance. Je trouve ça un peu léger. Je sens comme une pointe de sarcasme dans tes propos. Sens ce que tu veux, mais il y a des moments où... Où quoi? Où tu m'emmerdes? Ah bon? On en est là. C'est peut-être un peu direct, mais il faut savoir que t'es fatigant, t'es pénible avec tes calculs savants, tes consignes, tes recommandations. Tu veux que demain nous vivions dans un désert? Non, je ne le souhaite pas, mais je doute que l'emballage du paquet de biscuits aux figues y change quoi que ce soit. Et donc? Rejoins un groupe d'activistes, milite, manifeste, ou tais-toi. Moi, je suis pour les petites actions ponctuelles. Très bien, mais ne faire que ça, c'est une facilité, je dirais même une complaisance. Ah, là! Là, sans micro! D'accord avec toi, sans micro! Tu te rends compte que là, nous sommes peut-être en train de nous séparer après plus de 20 ans de vie commune. Et tout ça pour cause de divergences sur les moyens d'action à utiliser pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas banal. On aura réussi ça, un divorce décarboné. Mais nous sommes des pionniers, des défricheurs. On continuera à se voir de temps en temps. Bien sûr. Mais si on se croise au supermarché, ce serait mieux si on faisait semblant de ne pas nous connaître. Oui, ça serait en effet fâcheux que je sois obligé de te balancer une boîte de sauce tomate made in China à la tête. Et moi de t'écraser la tronche dans une étude locale qui a poussé en serre chauffée. Je te passerai un coup de fil quand j'irai faire mes cours. On fait comme ça. C'est quand même dommage d'en être arrivé là. Peut-être, mais que veux-tu? Ce sont les dommages collatéraux de la lutte écologique.